Et salut à toutes et à tous, c'est Nazoc. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc je vous dis tout de suite, Call of Duty Ghost, c'est pas voulu. C'est je cherchais juste un gameplay pour vous faire une petite vidéo. Et j'ai remarqué que j'avais un gameplay de Ghost. Et oui, Ghost, attention, j'ai énormément joué. Bah oui, j'avais un gameplay assez bon. Du coup, j'ai décidé de vous le proposer. Donc sinon, je vous fais cette vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Donc personnellement, moi, on est le 24, il est 23h58. Donc je vous fais cette petite vidéo. J'ai rien fait de spécial pour Noël. Donc j'espère que vous, ça se sera bien passé pour le réveillon, tout ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez eu pour Noël, ça serait assez sympa. Dire un peu ce que vous avez eu en jeu vidéo, tout ça. Ça serait assez cool. Moi personnellement, j'ai trop rien eu parce que je vais avoir plus tard. Donc j'avais dit dans une vidéo que je faisais... Enfin, un sport, oui, je l'avais dit dans les dernières vidéos, mais dans une des vidéos, j'avais dit que je faisais du vélo, quoi. Et donc, mon cadeau, ça va être un nouveau vélo, donc je sais ce que je vais avoir et tout ça. Mais comme c'est un vélo fait sur mesure, en fait, je peux pas l'avoir tout de suite. Du coup, je vais avoir le vélo dans à peu près 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai qu'à attendre, quoi, le vélo. Donc, franchement, je suis pressé quand même d'avoir le vélo et tout ça. J'attends ça, moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, tout ça. En espérant que vous avez eu de belles choses. Si on parle des jeux vidéo, peut-être les next-gen, tout ça, qui sont sortis maintenant il y a un peu plus d'1 an. Et je pense que avec les promos personnellement que faisait Xbox, moi j'aurais pas pris mon vélo. Ça m'aurait tenté de prendre une Xbox One. Donc ça après, c'est à vous de voir. Donc voilà, et sinon je voulais vous dire que j'ai pris 1 an d'Xbox Live, donc ça y est, j'ai racheté du live. Et oui, en fait, après avoir mangé, enfin j'ai fait un petit repas et tout ça, et après j'ai fait, bon, j'ai hésité, et je regardais tout ça, voilà, et puis je me suis dit, bon, allez, je vais reprendre du live. Là, on m'avait passé un code de jour, donc j'ai pu un peu rejouer à GTA, tout ça. Et je me suis dit, ouais, ça. Enfin voilà, je me suis dit que ça vaudrait le coup quand même de prendre du live, même si je joue plus autant qu'avant. Comme ça, j'ai 1 an, j'ai payé 32 euros sur abonnement Xbox Live. C'est pas pour leur faire de la pub, mais franchement, ça vaut le coup. Si vous avez besoin d'abonnement Xbox, allez sur leur site, ils font des abonnements pas cher, quoi. Et franchement, c'est assez sympa. Donc, je me suis pris un abonnement d'1 an. Donc, ce qui est cool. Après, l'AverMedia, comme je l'ai pas. J'essaierai de voir avec Isa si il peut me le prêter pour que après je puisse lui acheter, en fait, parce que logiquement il devait me le vendre, j'étais prêt à lui acheter, et puis comme voilà, avec mon vélo tout ça, je l'ai pas acheté. Donc je pense que je lui demanderai, et si il l'a toujours, et s'il peut me le prêter, si ça le dérange pas, et pour après lui acheter quand j'aurai quand je pourrai l'acheter, quoi, l'acheter, ça sera assez sympa. Donc voilà, après il y a mon cousin, donc, qui va ramener Advance Warfare là pour Noël, donc le 26. Ah ça y est, on est le 25. Donc mon cousin qui arrive le 26 et qui va me passer Advanced Warfare pendant 3-4 jours. Donc si j'essaierai d'avoir l'AverMedia, ce serait pas mal de vous proposer des gameplays. Parce que pour vous dire, en fait, je voulais vous proposer un gameplay en live sur PC, sur Advanced Warfare. Mais le problème, c'est que alors quand j'avais la manette voulait pas marcher, donc pas marcher, enfin pas à cause des problèmes que j'ai, vous avez pu voir dans la dernière vidéo d'Advanced Warfare, donc l'arme qui change tout seul et tout ça. Non, c'était pas pour ça. Là, c'était la co non, ça c'était la manette qui se déconnectait. Donc voilà, après j'ai réussi à régler le problème, mais comme par hasard, pas de co, je suis dans ma chambre. Enfin, avant j'étais en bas, et puis maintenant je suis dans ma chambre, enfin bref. Et du coup, j'ai pas assez de connexion, du coup pas moyen de vous faire un gameplay. Puis la manette qui change d'arme et tout ça, donc bon, ça m'a saoulé. Du coup j'ai dit, bon, c'est pas grave, j'avais vraiment envie de vous proposer une vidéo. Franchement, c'est un peu chiant de vous proposer des vidéos qui... Enfin, des gameplays qui datent d'un petit moment. Ce gameplay date, faut dire, 5 mois je pense, parce que ouais, il y a 5 mois, il date de 5 mois ce gameplay là, peut-être voire un peu plus, je sais pas. Donc c'est un peu chiant de vous proposer des gameplays assez vieux comme ça. Heureusement que j'en avais pas mal en stock,
Mais enfin bref, c'est pas, enfin c'est pas ça, mais moi je voudrais vous proposer des gameplays en live. Maintenant, si j'ai vérifié par contre, tant que j'étais en bas, et je peux vous proposer des lives, c'est ça qui est pas mal. Donc j'ai essayé sur, bah, sur Twitch, sur le jeu Euro Truck, et franchement c'était pas mal. Donc je regardais le live sur mon téléphone, la qualité était nickel. Franchement c'était une bonne qualité, juste peut-être un peu de... Enfin, on voyait que j'avais pas la qualité au maximum, donc peut-être régler ça, mais franchement, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de coupure. Donc, si c'est ça, ça pourrait être un beau petit truc de vous proposer aussi des lives. Donc, bon, on va attendre déjà d'avoir, enfin, de voir si je peux, avoir l'Avoir Media, Disa. Donc, je lui demanderai pour savoir. Et s'il me le prête, ça sera assez cool encore une fois, parce que pour vous dire, c'est son Avermedia et je l'ai utilisé plus que lui. Donc je verrai bien avec lui. De toute façon, Isa, je dois le voir. Donc je pense que lui a la Xbox One avec tout plein de bons jeux. Donc si c'est ça, je vous ferai, bah, je ferai quelques gameplays de jeux. Genre Advanced Warfare sur Next Gen, j'y ai pas encore joué. Après, il y a quoi? Bon, je sais plus trop. Je sais plus, à un moment, il devait acheter FIFA ou The Crew. Je sais pas ce qu'il a acheté. Donc, je verrai bien pour ça. Donc, là, je sais pas combien il me reste de temps. Ouais, je pense qu'il me reste un petit moment. On voit pas. 3 minutes. Donc, ouais, il me reste 3 minutes. Et je pense que je fais la Kingcam de fin. Donc, ça va se finir un peu avant. Je sais plus. Bon, je fais un gameplay du 24-16. C'est pas énorme. Énorme. Mais pour le peu que j'ai joué à Ghost, pour vous dire, je suis prestige 1 niveau 60 et je peux même pas encore passer le prestige 2. J'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vraiment que j'ai pas beaucoup joué, parce que pour vous dire, quand j'étais chez mon cousin et j'ai joué à Advanced Warfare avec son compte, sachant que j'ai été clé week-end, j'ai passé un prestige et niveau 20, quelque chose comme ça. Donc pour vous dire que j'y ai quand même pas mal joué. Sans le vouloir, parce que franchement je me suis amusé sur Advanced Warfare, mais le problème c'est que sur PC je me suis amusé une soirée et après là je me suis plus amusé du tout, soit des problèmes de cause, soit enfin que des trucs comme ça. Donc j'espère pouvoir avoir l'Avoir Media, ça serait sympa, et là je pourrais vous proposer déjà des gameplays commentaires en live et tout ça. Franchement ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir, en plus que maintenant j'ai ma co à l'augmenter tout ça, donc ça, franchement ça fait plaisir de retrouver, enfin de faire ça comme avant et de vous sortir les gameplays quand j'en ai envie. Parce qu'à chaque fois j'ai tout le temps eu un problème pour vous sortir des gameplays, même quand j'avais l'Avoir Media, j'ai tout le temps eu des problèmes ou quoi. Et là franchement je suis bien installé tout ça et ça serait franchement le top je pense pour vous sortir des gameplays, même si ça reste sur 360, je pense que ça pourrait être sympa. Je pourrais même faire des parties avec des personnes sur GTA en live, enfin des trucs sur Twitch, ça, franchement ça pourrait être bien sympa. Donc voilà, je verrai ça dans, peut-être pas demain comme c'est le 25 décembre, mais peut-être le 26. Je verrai ça avec Isa. Donc voilà, après bon bah j'ai pas grand chose à vous dire, c'était juste pour vous souhaiter un bon Noël. Et en fait le gameplay dure, ah non je pense que il va pas tarder à se terminer. Ouais, je sais plus c'est combien, c'est peut-être non c'est pas là, normalement je vais sortir un peu petit, non bah je me fais tuer. J'ai regardé quelques extraits du gameplay avant de jouer pour savoir quand même ce que ça valait. J'ai cherché et puis j'ai tombé sur du Ghost. J'ai regardé, j'ai vu que j'avais fait un truc que ça allait, c'était potable. Là, je fais du 36-25. Bon, je fais, on va dire, beaucoup de kills, mais aussi beaucoup de morts. Ça, c'est du fait que je rush. J'ai vu aussi plusieurs gameplays qui seraient intéressants sur BO2, mais c'est de la ligue. Et le truc c'est que je fais beaucoup de morts, mais je fais des beaux petits trucs. Donc voilà, la partie se termine. Une killcam qui vient de moi. Je fais du. Je fais du 37-25. Donc sur ce, je vous laisse. Bon Noël à tous pour ceux qui voient cette vidéo le 25. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye tout le monde.